Je dis, on a présenté encore un dossier spécial sur funérailles Maître Montferrier Dorval qui chantait Aïe dans le parc du souvenir. On a vu tout et déclaration qui fait dans l'occasion Silla et révélation qui fait. Ensuite, on a vu avec Pierre Espérance, lui-même qui c'est directeur exécutif RNDDH, lui-même qui a un mot parle sous question enquête cap avancée. Et après tout, nous prenons tout qui gens enquête a avancé bon côté tribunal, nan niveau parquet, et puisque ailleurs, eh bien, t'as gagné 4 présumés et assassins qui tatouillé M. Montferrier Dorval lui-même qui était présenté devant la justice côté yo alfemé yo dans pénitencier national après et environ une heure de temps que yo t'est passé et que commissaire gouvernement t'attendé yo. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, comme d'habitude, n'a invité au continuer brancher, continuer abonné ou à canal information sans fausse côté de manière à ce que nous capable continuer porter bon genre information frais clé coup de l'eau pour Jean nous annoncer au lit c'est journée aïe jeudi qui était 17 septembre et bien et enterrement Maître Montferrier Dorval ancien bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince même et bien lui-même lui est chanté aïe dans le parc du souvenir sur route frais et en présence et famille dans stricte intimité j'ai au demandé ça. Et cependant, ça n'a pas empêché de gagner et plusieurs gros autorités dans le monde de la basoche là, dans le monde avocat qui est dans la justice et qui était présent dans la cérémonie ici là. Faut que nous disions gagner et membre la presse tout qui était présent dans le cadre de la cérémonie ici là, dans route frais, malgré interdiction, malgré famille a été souhaité que funérailles ça a été fait dans stricte intimité famille avec amis maître avocat faut que nous disons c'est dans date 25 disons dans date 28 d'août maître Montferrier Dorval bandit et sans foi ni loi t'est assassiné la caille dans pèlerin 5 tout près caille président Jovenel Moïse et gagné parmi autorité dans monde de la basoche là dans la justice qui était présent on joigne deux anciens bâtonniers et l'autre avocat Port-au-Prince qui c'est maître Gervais Charles avec maître Carlos Hercule. Après ça, on joigne maître Samuel Madistin, on joigne tout Jackie Lumar, professeur Jackie Lumar qui lui-même c'est recteur université Kiskeya, tu gagné maître Manès Louis qui c'est ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince et ancien député. T'es gagné directeur exécutif RNDDH là Pierre Espérance qui était présent dans le cadre de la cérémonie ça avec membre avocat et disons membre cabinet et maître Montferrier Dorval avec en pile ami maître Dorval qui était assisté à la cérémonie ici là. Donc dans l'enterrement ici là faut que nous disions t'es gagné yon dame qui présentait tête li comme et bons amis yon bons amis maître Montferrier Dorval qui dit li gen en pile secret li pral mette de yo li dit li habitué avec maître Dorval yo kon travail ensemble li c'est ancien élève maître Dorval et bien li fait une série de gros déclarations gros révélations dans occasion si là sous assassinat qui fait sous maître Montferrier Dorval sous qui côté eh bien assassinat maître Montferrier Dorval t'a sorti des fois me bonne vendre pour $200 américains il bonne 300 l'homme pour $100 là bas il dit non non pas encourager je suis né le 6 lui le 10 c'est chez moi j'ai moi un jour j'ai moi pour toujours grâce à Dorval moi moun moi hier l'homme qui a vu au pied de l'air lui c'est qu'a volé l'homme dit Dorval c'est un voleur lui dit non je vais dénoncer avec brio dénoncer ça l'autre là c'est pas peur yo c'est une cartouille Dorval pour même tout dimanche vous n'avez pas honte le crime crapuleux oh Dieu qui monde qui est épargné ici
Nous avons tout dans la ville. Je pourrais comprendre qu'il s'agit d'un assassinat généralisé et appel le récit. Faut mal sous le lieu du crime. Ça passe les pelles récit. Non, c'est l'Allemagne. Bon, qu'est-ce que c'est là? Le président Jovenel. Est-ce que c'est effectivement une question? Non, la justice cousine. La justice nationale, pas qu'à gagner justice avec le système corrompu ça. Et Martine Moïse, tôt ou tard. Tôt ou tard. Martine Moïse, président au Sénat, extend les Lucas pour Nord-Ouest. Donc, voilà, dit, mon ça va à l'élection, il faut qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais écoute, non, je suis pour conviction. C'est moi qui t'ai la révolte sur avant. Hein? Écoute, nous connaissons entièrement ta fête de manière stricte. Ou même, ou pas faire partie des familles. Ah, ou faire partie des familles. Non, mais je suis journaliste. Bon, sous l'âme Galato. Ah, ok. J'ai de très bonnes relations avec la famille. Donc, okay. Margaret, Patrick, que Margaret, personnellement, dimanche. Bon, ou l'âme Margaret. Donc, on parle de voilà. Testament ou bien. Oui, mon papier, non, même que la parole est voilà. Écrite. Mais est-ce que vous avez dit. Pourquoi il faut que notre tête soit là. Et pour aller bien, on va choisir les états. On va citer Martine Moïse. Après, là, ils font sacrifice, il manque de monde. Qui côté? Non, Nord-Ouest. Je suis originaire du Nord-Ouest. Hein. C'est mon Martine qui est bon point avant le monde. Jean Valéan veut dire que première dame n'a rien. Oh, Martine Moïse. J'assume. Bon, nous tous d'Orval, nous tous tout. J'assume. Et je prends mon courage avec deux bras au péril de ma vie. Le système a trop corrompu. Nous toutes là, nous allons mourir. Bon, nous mourir déjà, zombifier nous. Là, comme ça, on a fait Haïti toujours. Sous Bobal, Pierre Espérance lui-même, qui c'est directeur exécutif RNDDH, qui était présent dans le cadre de la cérémonie SILA, eh bien, il critiquait le comportement autorité dans le pouvoir, dans la façon de gérer le dossier ça. Il dit qu'il y a une pile hypocrisie dans la gestion du dossier. Et principalement, l'éloge de Wetli sous commissaire gouvernement à Port-au-Prince, M. Ducarmel Gabriel, lui dit qu'il lui-même te prend trop de temps, donc il croit que M. pas gagné aucune volonté pour que lui mène enquête là, pour enquête ça arrive bout pour le bail résultat, puisque d'après lui, eh bien, commissaire gouvernement Port-au-Prince te prend trop de temps, d'après directeur exécutif RNDDH, là, Pierre Espérance. Eh bien, pour que l'été retourné sur lieu criminel, pour que y'a fait prélèvement qui était capable de permettre enquête la bout, nous invitons à écouter et Pierre Espérance. Il y a un peu de frustration pour côté famille. Oui, c'est avec nous par avec Pierre Espérance, oui. Silence et conseil. Oui, c'est ça. Et par rapport à ce gouvernement. Commissaire gouvernement fait un peu des autres dans le dossier. Hein? Et lui, il fait tout ça qu'on est pour discréditer et enquête. Police judiciaire, parce que dans le dossier pareil, le commissaire gouvernement a agi seulement les flagrances. Flagrance, c'est jour criminel et puis le lendemain. Or, il prend 4 jours après pour la bail conférence de presse pour la annoncer qu'il va sous un crime et il dit qu'il sécurisé, il devant les cailles, il dit qu'il a tiré sur machine dans Pèlerin 3, un seul coup après la mort, pour faire des Doval, zone Pèlerin 3, Pèlerin 5, et venu tourner en zone qui plus dangereuse et dans le pays. Ça nous habitue avec eux, il est habitué à faire monter ça. Et quand même, une situation extrêmement difficile. Famille, d'après information pour nous, dernière rencontre que j'ai eu avec le conseil de l'ordre, c'était lundi. Et ils ont dit, nous ont montré qu'ils n'ont pas compris le comportement et avocat au conseil de l'ordre dans le dossier, surtout sur l'agissement du commissaire gouvernement. Le même jour, ils ont fait une autre sortie, conseil de l'ordre. Ils ont critiqué le ministre des Affaires étrangères pour nous avoir fait sortir immédiatement après le crime. Ils ont critiqué le comportement premier ministre sous l'élément de libérer les policiers, qui est normal. Et ils ont critiqué et on note que l'OPC était fait. L'élément dit policiers, c'est faute administrative qu'ils ont fait. L'OPC n'a pas bien dit ça dans l'aide là. Mais tout agissement commissaire gouvernement, tout désordre ça, le comportement suspect là, son silence total, bon côté conseil l'ordre là. Pour qui ça? Pour qui ça pour y protéger le commissaire gouvernement alors que c'est avocat, yo connaît procédure, yo connaît sa commissaire gouvernement à faire son désordre. Dans le niveau de dossier, le commissaire gouvernement c'est seulement un couloir de transmission qui est bien pour faire. Ça veut dire, il y a
pour les recevoir le rapport du CPJ, ils font un réquisitoire et puis ils vont dans le cabinet d'instruction. On est là. Il faut que nous veillions, l'organisation de l'homme, et il faut que la société veille, il faut que l'avocat qui voulait mon fédéral de l'Union d'ici, pour veiller à ce qu'il ne confie pas le dossier à un juge de l'équipe. Parce que vous avez un crime d'État, ou bail le dossier à un juge de l'équipe, le dossier n'a pas avancé. Et parce que, il faut que nous connaissions que la justice haïtienne, lui joue un rôle important dans le Québec, impunité avec corruption dans le pays. Donc, si nous croisons pour être nous, et mon fils doit avoir pas de justice, la société n'a pas de justice. Parce que je dis à la vie est banalisée dans la société. Et pour mon jeune justice, c'est la population qui veut camper et face à des rigueurs, parce que tout le monde est victime à n'importe quel moment. Ça veut dire, selon même et expérience, c'est le comportement et Baroua qui fait entièrement funérailles de Val qui fait dans la façon de faire. Non, moi je dis que ça, c'est une. Bagaille de famille a été avancée avec nous, capable de plusieurs autres raisons. Mais ils ne sont pas confortables, ils ne sont pas à l'aise avec les comportements du conseil. Ils ne sont pas à l'aise avec ça. Ils sont capables de d'autres raisons. Mais nous-mêmes, si nous mettons dans la place, nous ne pouvons pas oublier mon frère Guédorval, et ça a été représenté, pays. Et côté que, monsieur, c'est un avocat, c'est un bâtonnier. Et l'organe de l'avocat est très timide dans le dossier. Il est timide en pile. Il n'y a pas un gros commissaire gouvernement qui a fait tout le désordre dans le dossier. Il n'y a pas même bien. Il n'y a pas même dénoncé. Ça veut dire qu'il fait un complice de comportement commissaire gouvernement, agissement commissaire gouvernement dans le dossier qui a discrédité l'enquête là, qui a brouillé Pissio pour mon feuillet d'Oval par joint justice. Il faut que nous disions parallèlement pendant l'enterrement de Maître Montferrier d'Orval qui a chanté Aïe dans le Pacte du Souvenir. Et bien, tu as gagné plusieurs personnes qui ont été arrêtées dans le cadre d'enquête. Et ils ont été arrêtés déjà dans le cadre d'enquête qui a mené sur les assassinats qui ont été faits sur Maître Montferrier d'Orval. Et bien, ils ont été conduits devant la justice Aïe. Côté parquet a étendu quatre principales présumés eh bien assassin Silayo qui c'est Dunes Vilpic et Mackender Fizeme et Maudler Sénégo avec Valérie Dor. Donc après commissaire gouvernement maître du Carmel Gabriel avec yon l'autre juge te fin tandeyo. Eh bien, yo te voye yo al fermé nan pénitencier national. Donc, faut que nous disions en attendant, et yo prend décision ça, en attendant, doyen tribunal civil Port-au-Prince, met Bernard Saint-Ville, eh bien, lui-même a bien pour choisir yon juge d'instruction pour instruire affaire, continuer à mener enquête là, pour faire lumière sur crime qui fait sous maître Montferrier d'Orval. Donc, faut que nous disions que tu as gagné plusieurs familles et mounsayo que tu as arrêté à quitter là, dans le tribunal là. Eh bien, yo même, yo clamé innocence yo, innocence famille yo, et moun qui a arrêté yo, famille si la yo dit, eh bien, mounsayo que la justice DCPJ arrêté dans le cadre d'enquête qui a mené sous crime qui fait soumettre Montferrier d'Orval là, pas gagné rien pour yo ouais à crime ça. Nous invitons à écouter plusieurs naïfs. Nous sommes tous les deux. Mackender pas passé audition de CPJ concernant Bâtonnier. Mackender a eu de CPJ pour l'autre dossier, mais pas à faire mon férié d'Orval. Ça n'est pas important pour nous parler. Ça n'est pas important, mais dossier ça qui l'a
la société. Signalé au séjourner vendredi à et bien et hommage cérémonie hommage et avocat eux-mêmes fait dans 18 juridictions la justice gagnée dans pays d'Haïti donc dans l'église Saint-Pierre journée vendredi à et bien t'es gagné yon messe requiem et baro l'autre avocat Port-au-Prince eux-mêmes yo te chanté nan occasion si la avec tout yon cérémonie hommage pour mettre Montferrier Dorval donc hier soir te gagné yon l'autre cérémonie hommage et qui t'est faite disons et baro l'autre avocat Port-au-Prince t'est organisé et nan hôtel Ritz-Kinam nan Pétionville nan mémoire maître Montferrier Dorval n'a pas songer te gagné disposition qui te prend pour te gagner une seule grosse cérémonie qui t'est faite dans date journée vendredi a qui t'a qui c'est 18 septembre 2021 mais après et réflexion qui t'est faite dans niveau famille maître Dorval d'après ça on dit et gagné en pile pression qui t'a faite te gagné tout
tendance et en pile dans autorité politique pour que vous récupérer cadavre mettre Montferrier Dorval à des fins politiques. Et c'est pour ça famille défunte choisi lui-même fait un funérailles dans stricte intimité famille seulement pour mettre Montferrier Dorval journée jeudi 17 septembre 2020. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nous camper à édition spéciale ça, sous funérailles mettre Montferrier Dorval, enquête qui a mené sous dossier avec tout, et bien, déclaration.